La paix soit avec vous. Récemment, après mes réflexions, je me suis demandé comment présenter une émission sur plusieurs volets. Donc, je m'explique, sans prétention, je vais faire des analyses politiques sous forme de chroniques en analysant au fil de l'eau l'évolution de l'actualité. Donc mon souci majeur, c'est la question de savoir comment faire pour planter un décor et ne pas, finalement, au fond, être rébarbatif, voire même de tourner en rond. Alors, je vous avoue que c'est une question que l'on se pose, je dirais, lorsqu'on doit passer régulièrement sous une forme, je dirais, d'audio. Alors, pas de panique, tout d'abord, soyons humbles, réalistes. Je vais tenter faire quelque chose d'un peu différent. Alors, je demande que ceux qui m'écoutent d'être un peu magnanimes vis-à-vis des premières émissions. Je pense qu'elles vont être un peu maladroites. Mais j'ai beaucoup réfléchi et j'avoue que je sais que cela ne répondra peut-être pas totalement à la question, mais je peux affirmer déjà que ce concept risque d'être intéressant. Donc je vais commencer la première chronique, qui sera bien entendu une petite analyse du temps présent concernant les travaux que j'ai effectués ces derniers temps, qui m'ont permis de recentrer le tir sur des analyses que peut-être à une certaine période, dans une période confuse, nous avions gommé, je dirais, certains éléments qui aujourd'hui, à la lucarne de l'actualité, de l'avancée du monde tel qu'il est, je dirais, répondent à des attentes face à des événements de plus en plus rapides qui nous échappent. Donc voilà, je vais commencer la première chronique. Et je vais traiter, bien entendu, je dirais en préambule, de Gorbatchev, de Poutine, de la Chine, car c'est finalement au fond sur cette actualité que, je dirais, tous les projecteurs sont braqués. Donc je vais commencer. Antonio Gramsci dit en son temps, à propos de la conviction baroque selon laquelle plus on a recours à des objets matériels, plus on est orthodoxe, il convient de réfléchir. Également sur la phrase célèbre de Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de révolution. Le parti bolchevique possédait certes une théorie pour la conquête du pouvoir, notamment si on entend par révolution, au-delà de la démolition de l'ancien système, la construction d'un système nouveau, alors les bolcheviques et le mouvement communiste étaient nettement dépourvus d'une théorie révolutionnaire. L'attente eschatologique, je dirais, d'une société parfaitement réconciliée avec elle-même et sans contradiction, les conflits de tout genre ne peuvent être considérés comme une théorie. Je dirais théorie de la société post-capitaliste à en devenir. Nous devons prendre acte non seulement d'une grave lacune, mais je dirais ni le retour à Marx ni à d'autres classiques ne servira à la combler. C'est une tâche nouvelle d'une difficulté extraordinaire mais absolument incontournable. Et c'est en cela, finalement, au fond, que je soutiens Vladimir Poutine, parce que je considère que dans son effort de réconciliation et de conciliation, il y a un phénomène nouveau. Alors, justement, au préambule, j'avais expliqué que je traiterais tout d'abord Gorbatchev, car c'est très très important,
Eltsine n'est qu'un épiphénomène hein, dans la situation. Bon, il a été un acteur important, mais il n'est pas, je dirais, la clé de voûte. Donc, je commence. La fin de l'URSS et Gorbatchev. Il faut savoir une chose, Gorbatchev voulait réformer le communisme. Alors, à présent, je dirais que pour ceux qui auraient des doutes, eh bien, ma foi, nous sommes en mesure, et à la lumière des archives de la Pravda, qu'effectivement, Gorbatchev a trahi. Parce que le doute a demeuré pendant très longtemps. On a estimé qu'il fut naïf ou sincère vis-à-vis, je dirais, d'une réforme réelle. Mais que nenni, aujourd'hui, on peut considérer qu'il a trahi. Alors, pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Donc déjà, d'une part, je vous renvoie bien entendu au premier plan hein, économique de Chataline pour développer, je dirais, l'économie, ce qui avait été mis en place à l'époque. Et finalement, en désespoir de cause, comme cela n'a pas fonctionné, qu'il a adopté un plan pour passer à l'économie de marché. Donc, c'est purement et simplement. Mais il est vrai qu'à l'époque, devant tous ces bouleversements, il fut difficile, hein, je me souviens, j'étais à l'époque jeune étudiant, mais je dirais qu'il fut difficile de s'en rendre compte. Alors nous pouvons établir, et ça je tiens absolument à le noter, ça c'est un phénomène nouveau, une analyse, je dirais, nouvelle. Mais nous pouvons établir dès lors une similitude entre la politique mitterrandienne après les 3 années de socialisme, dont Mitterrand a choisi plutôt la voie du pragmatisme et de l'Europe. Donc je compare le phénomène Mitterrand pour la France et Gorbatchev pour l'URSS. Sont finalement au fond deux individus dans deux régions, deux mondes complètement différents, mais qui finalement au fond ont appliqué exactement la même politique pour leurs nations respectives. Ce qu'à la différence, les conséquences ont été bien plus terribles pour la Russie. Bien m'excuser. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux individus sont importants pour comprendre la clé de voûte, parce qu'ils avaient, je dirais, dans leur désir, la volonté de changer de trajectoire. Par exemple, Gorbatchev a promis une politique libérale, mais je dirais, en conservant les anciens mots pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Tout comme le Parti socialiste aujourd'hui se revendique socialiste, mais n'a absolument plus rien de socialiste. C'est une analyse, je dirais, objective. Je ne viens pas dire que c'est bien, c'est mal. Que les choses soient bien. Je ne mets pas dessus une analyse partisane. Je fais une analyse objective. Alors, pour revenir finalement à Gorbatchev, rappelez-vous du plan Chataline qui n'avait pas fonctionné, ou l'option du passage à l'économie de marché en 500 jours, me semble-t-il, avait été, je dirais, choisie. Alors, ce plan qui a fait son apparition, il faudrait bien préciser d'un acteur clé très important qui est Koklev, qui fut le ministre du plan ou de l'économie. Qui, bien entendu, fut coopté par les Américains en son temps et qui ne cachait pas, finalement, au fond, son intérêt d'américaniser l'économie. Là, c'est pour la petite histoire, afin d'étayer, finalement, au fond, certains éléments que nous avons pu, je dirais, négliger. Donc, au lieu d'apporter des ajustements par des réformes qui auraient pu adapter l'économie et éviter. Ces sacrifices, toute cette gabegie qu'on connaît,
Je pense que il aurait été possible d'adapter l'économie collective via une économie un peu plus libre, en faisant ce décollage en douceur. Bon, finalement, d'après la constatation que nous avons aujourd'hui à la lumière des informations, il a préféré détruire cette première sans pour autant, je dirais, apporter d'alternative, favorisant une certaine forme, bien entendu par voie de conséquence, d'anarchie, et qui finalement ont permis à certains de s'enrichir au détriment et la mise au pilori, hein, je dirais, voire même l'appauvrissement de la population russe. Alors je le répète encore une fois, je dirais que fut difficile, et je le déplore, à l'époque, devant autant de confusion, de constater que Gorbatchev a retourné sa veste, comme ont su le faire également, et à n'en point douter, toute l'oligarchie soviétique. Il faut savoir qu'à l'époque, le candidat Eltsine, qui fut plus corrompu, et je dirais même plus vaillant que Gorbatchev, bah, réussit in fine à lui faucher le pouvoir. De toute façon, pour être clair là-dessus, pour ne pas en revenir, Gorbatchev lui-même, hein, a vu ou a considéré que l'URSS ne fonctionnait plus. Et ça, c'est une évidence. Le nier serait une amnésie, je dirais, terrible et n'aiderait pas finalement à la réconciliation du peuple russe. Alors peut-être qu'il y avait aussi un fond de naïveté dans les choses et qu'il pensait que cela allait s'améliorer et qu'en définitif, voyant autant de situations difficiles, et surtout, je dirais, une désagrégation de l'État, il a considéré que finalement, au fond, il fallait tout larguer. Mais ce qui est fort quand même, c'est chez Gorbatchev, il faut lui reconnaître ça, c'est qu'il a su garder les apparences. Et je pense que c'est à ce moment-là que je vous ai parlé tout à l'heure justement du plan des 500 jours. C'est donc c'était à ce moment-là que le plan des 500 jours pour passage à l'économie de marché, je dirais, s'est mis en place. Ce qui a été une catastrophe puisqu'on ne passe pas d'une économie collective à l'économie de marché sans des ajustements. Pour ce qu'il en est, pour l'explication du pourquoi du comment, beaucoup de gens n'ont pas vu la situation désastreuse qui allait devenir. C'est que Gorbatchev était, je dirais, a trompé beaucoup d'experts suivant les informations émanant de l'URSS, en sa qualité bien entendu de premier secrétaire. Comme certains qui, à l'époque, parlaient de la fameuse économie socialiste de marché, mais finalement au fond ce fut un leurre. En réalité, il y avait, je dirais, la volonté de mettre en place une économie de marché pure et dure. Et c'est en cela que finalement les Russes ont payé de lourds tributs, avec la destruction totale et définitive, sur le moment, je dirais, de leur réalité. On le sait, il n'y a pas besoin d'éterniser sur ce qui s'est passé à partir de 91. Puisque cela, finalement, au fond, ne fut pas sans conséquence. En fait, il faut bien comprendre que dans ce cas d'espèce, nous sommes dans une, je dirais, une lecture de l'économie assez binaire. Une lecture pour crétin, excusez-moi le terme, ce qu'on appelle l'économie de contraire ou économie libre. Je m'explique. L'économie de contrainte, ou l'économie de contraire, telle qu'il avait été établie à l'époque, puisque ce sont des judicieux mélanges de termes qu'on renvoie ou qu'on envoie à la figure de certains journaleux, qui bien entendu prennent au vol l'information qu'on leur délivre. Donc l'économie de contrainte ou économie collective, économie libre,
propriété privée, bien entendu. Ce ne fut qu'un mode d'explication pour des gens qui sont binaires, soit américains, soit russes. Notons que la réalité est largement plus complexe. La réalité, c'est qu'il y a la valeur du travail, les institutions économiques, les entreprises, et la réalité économique des entreprises, qui certes correspond à des questions d'intérêt, mais dont la connaissance est largement plus complexe qu'un simple schéma binaire, propriété publique, propriété privée, économie administrée, économie de marché. Prenons par exemple notamment les Chinois, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers temps, qui essayent de résoudre le conflit parce que tout d'abord ils ont une pensée dialectique du yin et du yang, mais comme les Russes sont soit du côté américain, soit du côté collectiviste. Les Chinois sont plus nuancés de par, je dirais, leur praxis. Faut savoir que les Russes ont cru qu'en faisant le choix du camp d'en face, ils allaient en bénéficier des avantages. Alors, ce qu'ils ignoraient, c'est que une civilisation, je dirais, industrielle, est un mode d'évolution. Si effectivement le capitalisme dans certaines régions du monde peut être un élément, je ne nie pas un élément de réussite, il n'a pas été de tout temps un sujet de tranquillité. Alors revenons à Gorbatchev. Revenons à Gorbatchev. Je dirais que la plus grande naïveté, ça je pense que c'est sincère, la plus grosse naïveté, excusez-moi, qu'il a eue, c'est de croire qu'il allait être un partenaire crédible de l'Occident. C'est en cela, puisqu'il faisait honorable, il donnait des gages en direction des Occidentaux, il pensait être un partenaire crédible. Or, ce que beaucoup ne réalisent pas, et encore aujourd'hui, c'est que les Américains ne veulent pas des partenaires, ils veulent des larbins. Et là, c'est là où je fais intervenir Poutine, parce que c'est comme quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Alors après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais en attendant, c'est quelqu'un d'une grande intelligence. Et donc c'est en cela que Poutine a bien compris, jamais, au grand jamais, il ne pourra avoir de traitement d'égal à égal avec les Américains. Et pourtant, ce ne sont pas les concessions qu'il a faites pour montrer sa bonne foi. Notons également que Poutine n'est pas plus communiste qu'Eltsine. Quand on essaye de tirer la couverture pour essayer de réhabiliter l'Union soviétique à travers Poutine, c'est un vœu pieux. Poutine a compris que l'État russe allait être démembré si les Américains continuaient sur leur lancée. Et ce n'est pas peu dire, puisqu'il suffit d'aller, je dirais, écouter ses allocutions pour comprendre son analyse de l'ours russe qui finirait comme un tapis sur un mur. Justement, je vous envoie sur RT pour Russia Today pour écouter ces discours qui sont, à mon sens, je dirais, terriblement véridiques. Poutine, pour planter le décor assez rapidement et ne pas commettre d'erreur, est un patriote pur jus. Il faut lui reconnaître ce travail, car il fait actuellement, je dirais, un travail de réconciliation en Russie, profitant de son pouvoir hégémonique. Alors bien entendu, certains viennent le critiquer, mais il ferait mieux de regarder un petit peu de la situation de nos banlieues en France, plutôt que de se préoccuper du cas Poutine. Donc effectivement, il profite de son pouvoir hégémonique afin de diffuser, voire de développer une certaine vie culturelle. Et cela pas des moindres, il suffit de constater sur le terrain,
Nous constatons une renaissance littéraire, une renaissance d'historien, une certaine liberté de recherche. Cependant, le pays reste très divisé. Il y a tout d'abord les historiens nostalgiques des Blancs, donc des Russes blancs, et bien entendu, des historiens nostalgiques de l'Union soviétique, donc en fait, communément appelés les Rouges. Mais les choses évoluent. À leur vitesse, mais elles évoluent. Sans aucun doute, et ça, je dirais, c'est mon appréciation personnelle, sans aucun doute, Poutine va se représenter. De toute façon, il est nécessaire pour la Russie qu'il se représente. Et même si je ne suis rien, si ce n'est qu'un simple citoyen, je soutiens Poutine et je serai heureux que la Russie lui redonne un mandat. Donc, je pense qu'il sera réélu, car son projet à venir, je dirais, est un projet très important, dont les Russes affectionnent tout particulièrement. Alors, le projet que Poutine met en place, et mettra en place, parce qu'il l'a mis, mais cela, bien entendu, a besoin d'évolution, c'est le transparti. Alors, pour planter le décor, il est président, il a un parlement. Le parlement, je dirais, possède plusieurs partis politiques qui siègent à l'intérieur. Les partis politiques pourront avoir des élus, faire de la concurrence entre eux, mais Poutine restera, car il est essentiel, je dirais, pour l'intégrité et l'évolution de la Russie. Alors je sais que certains veulent nous faire comprendre que Poutine est un dictateur. Mais la réalité russe n'est pas la réalité française. Et je pense qu'il faudrait peut-être regarder un petit peu les laquais que nous avons au pouvoir pour faire œuvre d'humilité. Et je pense qu'en restant au pouvoir, il aura un rôle d'arbitre entre les partis un peu, pas tout à fait différent, mais un peu comme l'être à un moment donné, je dirais, dans les démocraties populaires, dont le parti tranché en définitive. Ben, Poutine aura cette responsabilité, je dirais, de veiller au grain. Alors ça plaît, ça ne plaît pas, mais je pense que c'est une réalité qu'il ne faut pas, je dirais, négliger. Également, Poutine a créé un parti appelé Front National. Alors, attention à ce que je suis en train de dire. Front National, ne faites pas d'analyse française ou n'analysez pas la situation russe à partir d'une, je dirais, d'un kaléidoscope français. Front National, c'est réunir un ensemble de forces, aussi bien communistes, libéraux, orthodoxes, enfin, quels que soient les mouvements autour, je dirais, d'un concept de la nation. Bref, Poutine voudrait rassembler dans différents clivages, à la manière finalement, au fond, pas très éloignée d'un De Gaulle. C'est une des questions pourquoi Poutine a souvent fait des références à De Gaulle. Il a créé un phénomène tout à fait intéressant, qui sont des collectifs dans toute la Russie. C'est-à-dire des collectifs de citoyens qui auront pour mission de contrôler les pouvoirs publics. Alors c'est une manière de lutter tout d'abord contre la corruption. Poutine est un légaliste, hein, c'est un juriste, ne l'oublions pas. Et d'autre part, de permettre au peuple d'intervenir sur les pouvoirs publics. Dans sa pensée, il suffit de lire ses discours, et y compris ses allocutions, sa volonté également est muée par la création d'un certain civisme local. La volonté de Poutine est de faire changer la Russie en profondeur, c'est-à-dire que la Russie profonde, aussi bien éloignée, mais également en profondeur.
Ce que je déplore, c'est que nous avons des laquais irresponsables qui aujourd'hui gèrent l'Europe, qui auraient pu, à un moment donné, quand Poutine a tendu la main en direction de l'Europe, se rapprocher de la Russie. Aujourd'hui, soyons pragmatiques. La main tendue de Poutine a été, je dirais, a été laissée lettre morte. Elle est restée lettre morte. Et non seulement ça, mais nous sommes sur ses frontières. Et nous essayons de mettre en danger la Russie. Quand je dis nous, c'est que, effectivement, nous, les laquais de l'Empire. Et pourtant, De Gaulle avait dit en son temps, la Russie est l'allié naturel de la France. Alors, comme je le disais, Poutine n'a pas eu d'autre choix de se rapprocher de la Chine. Alors, pour ce qu'il en est de la Chine, quoi qu'on en dise, elle se revendique communiste. Précisons, et je le précise encore une fois, Poutine n'est pas communiste. Il faut bien le comprendre une fois pour toutes. Poutine a conscience de l'intérêt de son pays et ne veut pas qu'il sombre dans la guerre civile. Ça, c'est un. Je dirais, il a vécu les événements de la désoviétisation et a connu la période Eltsine avec son lot de destruction des services publics, la montée en flèche des oligarques, la mise au pilori des biens appartenant au peuple qui ont été privatisés. Je ne veux pas vous relancer sur l'affaire Rodorovski et sur, je dirais, les réformes drastiques, comme disait Alexis Carrel, dans L'homme saint inconnu. On ne gère pas un corps contaminé avec des médicaments. Tout corps qui est attaqué d'une façon violente, il faut un traitement de cheval. Excusez-moi de l'expression, mais ce n'est pas avec des traitements placebo qu'on peut gérer une situation qui est une situation qui nécessite des grands moyens. Bref, ce n'est pas avec de l'aspirine qu'on va guérir un individu qui est contaminé. Donc, les réformes de Poutine ne pouvaient être qu'à la hauteur de la situation russe des années 90 et 2000. Ceci étant, je reviens à la Chine. Pourquoi Poutine a fait le vœu chinois? Parce que l'Occident lui a refusé sa main tendue. Poutine veut que la Russie se développe. Et surtout, ce qu'il a constaté dans d'autres États, ce qui est également notre réalité, il ne veut pas que les Russes développent, à force d'humiliation, la haine de soi. Et nous, nous sommes dedans. Il est patriote et veut exalter la fierté russe. Alors, pour planter le décor, il ne rejette pas l'histoire soviétique. Il considère tout bonnement que la page est tournée. Alors, je sais que cela fait mal à certains nostalgiques. Moi-même, je ne suis pas objectif là-dessus, mais je dois m'efforcer, me contraindre à accepter cette réalité. Alors revenons aux Chinois. A contrario, les Chinois, eux, sont des socialistes pragmatiques de marché. Alors, notons que le dernier congrès qui a décidé que la pensée de Deng Xiaoping, retenez bien ce nom, hein, Deng Xiaoping, pour le socialisme chinois est un développement théorique. N'oublions pas que les Chinois ne raisonnent pas en binaire.
agglomèrent un ensemble de réalités, les Chinois considèrent que leur héritage, c'est le marxisme-léniniste, le maoïsme et la pensée de Deng Xiaoping. Et à présent, une nouvelle étape du socialisme, selon eux, a été franchie. Donc, qui a été théorisée par Deng Xiaoping. Pour résumer, c'est la sinisation du marxisme, ce qui a été établi au dernier congrès. Ou plus, je dirais classiquement, pour faire court, c'est le marxisme au caractère chinois, qu'on appelle la société de modeste propriété, etc. La plus grande erreur, à mon sens, et ça c'est une... Alors je vais égratigner les théoriciens marxistes et ceux qui soutiennent encore cela, mais je pense, et ça n'engage que moi, je pense que la plus grande erreur, à mon sens, du communisme, est de collectiviser les petits agriculteurs, les petits commerçants, etc. Même Tito l'avait bien compris. Pour dire. Certes, cela constitue une base libérale, et loin s'en faut, mais au fond, elle est attachée à la nation, voire à un certain exercice de l'État. Notons également les affirmations, pour parler de l'actualité, des autorités saoudiennes qui dernièrement considèrent que l'islamisme est dépassé. Alors, ces informations sont à prendre avec des pincettes, hein, mais en tout cas, cela a été dit. Que l'islamisme est dépassé et qu'il répondait finalement en son temps à des besoins d'existence face à la révolution islamique iranienne. Et qu'il, de nos jours, la page doit être tournée et qu'il faut sortir de cette aliénation en allant vers le futur, ce qui peut-être explique, tant à expliquer, le déplacement des autorités saoudiennes chez Poutine. Mais, encore une fois, je tiens à rester vigilant sur cette information. Toujours est-il que ce serait une sorte d'idéologie religieuse où il faudrait sortir et extirper finalement l'économie. Alors même si effectivement on essaye de traduire aujourd'hui une timide tendance, mais peut-être certaine, alors ne soyons pas, je dirais, pessimistes, essayons de voir les choses de ce peut y avoir de positif. Y a-t-il un changement de cours au sein même des institutions et de ceux qui constituent, je dirais, les faiseurs d'institutions en Arabie Saoudite? Alors je ne suis pas stupide, je pense que la jeunesse commence à effectuer des revendications. Loin des tumultes classiques de la guerre multiconfessionnelle. Alors je vous renvoie également, pour ce qu'il en est, n'oublions pas les avertissements de Zinoviev, hein, à propos de l'Union soviétique. Hein. Scénario qui pourrait, je dirais, se coller sur la situation chinoise. Alors dans un système monopartiste, marxiste, nous avons un collectif au pouvoir, comme il y a eu des précédents avec Staline ou Mao. Le collectif essaye d'empêcher le dirigeant de devenir un dictateur, afin qu'il se passe pas n'importe quoi, parce que c'est en cela justement, et surtout de garantir ou de protéger les pouvoirs intermédiaires. Mais quelquefois, quand un collectif se crée, il y en a un toujours qui émerge, et le souci est que cela, ou en ce cas d'espèce, celui, je dirais, qui émerge, consolide son pouvoir en se plaçant
président d'honneur du parti ou chef absolu. Il coopte autour de lui des gens qui soutiennent sa politique et, je dirais, influencent le parti. Mais il y a d'autres partis qui sont divergents, et cela dans un pays où l'on ne peut s'exprimer, des échos se font entendre dans la presse et les gens vont prendre une position et des palabres seront mises en place, voire même des cercles de discussion. A contrario, je dirais, dans le pouvoir communiste, cela est assez secret. Au bout du compte, on a des gens réduits au silence, hein, n'ayons pas peur de le dire. Je sais que je vais faire plaisir à certains. Nous avons également des individus qui sont recadrés dans des positions, je dirais, subalternes, parce que l'on ne veut plus les voir à la direction suprême. Alors en échange, on leur file une usine à diriger, une province, mais ils savent pertinemment qu'ils sont dans le collimateur. Mais ils sont présents. Alors le leader suprême essaye d'asseoir son pouvoir en se donnant une légitimité supplémentaire qui donne un sens au socialisme façon Xi Jinping. Comme l'on prétend, et comme l'a fait également, je dirais, Mao, Deng Xiaoping, et en définitive, se hissant, voire même se mettant à l'égal de Mao et de Deng Xiaoping. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les contrario, c'est là en cela que les Chinois ne sont pas des Russes, ne sont pas des Slaves, les Chinois ne font pas d'autocritique concernant Mao, comme on peut le faire par exemple en Union soviétique, ou on peut le faire aujourd'hui en Russie, et comme les soviétiques ont pu le faire également à l'égard de Staline. Les Chinois ne sont pas stupides, ils savent que Mao a commis des erreurs, mais jamais, grand jamais, ils ne l'avoueront publiquement. Il faut savoir qu'ils sont marxistes et confucianistes. Donc cela joue énormément dans leur comportement et dans leur analyse. Ils ont ce que j'appelle la notion du maître. Et cette notion du maître est bien différente de la conception des soviétiques en leur temps. Pour les Chinois, tant que le maître est le maître, on lui doit l'obéissance. Et quand il meurt, on lui doit le respect. Ce qui est une notion un peu différente de la vision des Russes aujourd'hui ou même des Soviétiques en leur temps. La théorie de la pensée chinoise, fidèle ou passée, parce que quand on parle de passé, on parle de cette philosophie, je vous renvoie à certains ethnologues là-dessus, qui sont assez férus et assez intéressants dans leurs travaux, sur la vision impériale de ce qu'on appelle l'autorégulation des petits groupes, des cours et des individus, qui est un concept qui est resté dans l'esprit chinois. Alors bien entendu, je ne vais pas traiter de ce domaine-là, enfin du moins de ce sujet-là, dans l'immédiat. Je vous invite à vous documenter sur le système juridique chinois, fort intéressant, à travers les âges, bien entendu. Alors, me direz-vous, pour continuer mon analyse, et pour faire court, il y a trois tendances dans le système politique chinois, pour que les choses soient claires. Il y a absolument, parce que je veux résumer, parce que des fois, les choses peuvent être assez complexes, mais il y a trois tendances dans le système politique chinois. Faisant partie, et c'est une chose aussi étrange, faisant partie du Parti communiste. Alors, première tendance, il y a une tendance pragmatique, qu'on appelle la tendance pragmatique centrale. Ce sont des gens qui dirigent
Une ville, un hôpital, une armée, une entreprise. Je dirais, soyons honnêtes, ont suffisamment à faire de leur travail pour s'occuper de théorie du marxisme. Ça, c'est pour la première tendance. La deuxième tendance, qu'on appelle celle théorique, les intellectuels, ceux qui gravitent autour du parti, ceux qui influencent les orientations, ceux qui réfléchissent, sont appelés également aile gauche. Discutons des cohérences face à l'analyse marxiste, essayant de trouver, je dirais, des théories pouvant répondre. Notons qu'il est, soyons honnêtes, hein, même si on fait partie je dirais, du centre culturel chinois et qu'on assiste aux conférences et qu'on est abonné au quotidien du peuple en langue française, il est difficile de savoir son rôle réel d'influence avec la ligne de Deng Xiaoping. Ça, c'est pour la seconde ligne. On appelle également la deuxième tendance. La troisième, celle que finalement les Chinois nous mettent en avant, celle qui nous rassure, celle que nous voyons un petit peu comme le chiffon qu'on nous tend pour le suivre, la troisième, qui considère qu'il faut abandonner les essais interprétatifs et s'aligner totalement, voire complètement, sur la ligne américaine de créer un capitalisme chinois sous modèle américain, qui en définitif serait, je dirais, une normalisation de l'économie de marché. Alors, quand on a analysé ces trois, je dirais, tendances, il faut savoir que le Parti communiste chinois contient, aussi étrange que cela puisse paraître, tous ces courants. Précisons que même si ces derniers, je dirais pour la troisième tendance, sont anticommunistes, ils ont également la crainte dans l'abandon du communisme à la chinoise, la perte de leur fortune s'étant bien entendu développée sous le règne du Parti communiste. Ils affectionnent pas, je dirais, une révolution populaire, parce qu'ils ont le trouillomètre au maximum, qui pour eux, X est égal à une inconnue, ce qui pourrait être mis en place. Car que donnerait une révolution populaire? Parce que pour eux, ce qui leur importe, c'est faire des affaires. Et donc, une révolution populaire aurait peut-être par voie de conséquence une destruction du moyen qui leur permet aujourd'hui, dans une certaine stabilité organisée par le Parti communiste chinois, de s'enrichir. Le parti les laisse faire, il faut être honnête. Et non seulement ça, mais ils peuvent éventuellement placer leurs dividendes à Hong Kong ou en Suisse. Alors, pour ces gens-là, la politique, c'est le cadet de leurs soucis. N'oublions pas que le Parti communiste s'élève à 89 millions d'adhérents. Alors, selon certaines infos, moi je vous renvoie à faire des recherches là-dessus et éviter le complotisme, hein. Prenez des informations qui émanent réellement des think tanks américains et de certains penseurs, qui aujourd'hui sont des intellectuels aguerris et qui font partie de certains cercles et qui n'hésitent pas soit à écrire sur des chroniques ou soit même à faire des conférences à ce sujet. Alors, je le disais bien que certaines informations sont assez intéressantes. Aujourd'hui, les Américains sont en train de s'intéresser
Je dirais, le protestantisme, voire en christianisme, qui a su essaimer, je dirais, en Chine. Alors, selon ces analyses, et je reste très très prudent là-dessus, il y aurait autant de chrétiens en Chine que de membres du Parti communiste. Alors, il faut savoir que jadis, les Américains ont essayé d'infiltrer les structures du Parti communiste chinois, mais en vain. Cela a été un fiasco. Alors, ils se sont dit, étant donné qu'il y a autant de chrétiens en Chine qu'il peut y avoir de membres du Parti communiste, il faudrait jouer la carte de la concurrence dans les religions, qui finalement, au fond, concourt à l'économie de marché, et de fortes spéculations de la part des Américains sont en vigueur aujourd'hui. On n'en sait pas plus, hein. Alors, pour justement profiter de cette, je dirais, cet aparté, prenons par exemple le cas des Américains. Et prenons je dirais, les sources d'influence. Nous avons aujourd'hui des hommes très influents comme Parke Robertson, Billy Graham, et de notre côté, il est difficile de comprendre parfois les Américains, car la France est un pays laïque. Et la religion a une part très importante dans la politique américaine et dans l'économie. Par exemple, Hillary Clinton avait le rabbin Michael Lerner, qui selon elle fut son maître à penser. Obama n'y échappe pas à la règle, a également le pasteur Joel Osteen comme source de référence. Il faut savoir que dans notre université, dans notre pensée, dans notre enseignement, dans notre vécu, nous, Français, nous sommes complètement déconnectés des rapports économiques avec la religion. A contrario, les Américains, absolument pas. Et nous pouvons, à la lumière justement de tous ces acteurs, de tous ces, je dirais, de tous ces penseurs, de ces théoriciens, nous comprenons à présent d'autant plus leur messianisme, la volonté de conquérir le monde et également la volonté d'évangéliser. Et cela, je dirais, ne peuvent se comprendre qu'à la lucarne et à l'écriture de ces gens-là. Ce n'est pas seulement la volonté, je dirais, d'évangéliser économiquement ou idéologiquement ou démocratiquement. Il faut bien comprendre l'analyse à travers les penseurs eux-mêmes américains, et non pas à travers des articles de traduction succincts effectués sur eux par des journaleux ou finalement, au fond, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Ces penseurs, à la lumière de leurs différents ouvrages, ont réussi à connecter la religion telle qu'elle est interprétée par eux, le capitalisme tel qu'il est interprété par eux, et la psychologie comportementale cognitive telle qu'elle est interprétée par eux. Bref, un véritable mélange du genre. Je donne un exemple simple et j'arrêterai le premier volet après, car ce n'est que la première chronique. J'en suis déjà à 45 minutes, je pense que c'est énorme. Pour ce qu'il en est de l'exercice du culte, je monte une église, il faut que j'aie un plan marketing pour aller chercher des fidèles, il faut que j'équilibre la trésorerie de mon église. Il faut que je récupère des volontaires pour faire des services au public. Bref, je gère mon église comme une entreprise. Donc, conception économique, effectivement, j'en reviens à ces trois aspects fondamentaux. C'est que premièrement, il y a la vision du capitalisme américain. La psychologie comportementale et cognitive américaine. Et c'est en ça aujourd'hui que les Russes, qui sont des capitalistes, ne mentons pas, ne sont pas des Américains. Alors rappelez-vous ce que je vous expliquais précédemment, les États-Unis ne veulent que des larbins. Ils ne veulent pas de partenaires d'égal à égal.
C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui Poutine n'a pas d'autre choix que se tourner vers la Chine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est le premier volet, j'en ferai d'autres, car j'ai pas mal de pain sur la planche. Donc, je vous remercie, la paix soit avec vous, et je vous dis au prochain volet, à la prochaine chronique numéro 2. Merci à vous.